Bien ou bien, t'es pas prêt pour ce preview d'Irlande-France. Avant de commencer, je tiens à vous remercier parce qu'on va être bientôt 24 000 sur la chaîne et ça fait vraiment plaisir. Merci à tous ceux qui mettent des likes, des commentaires, ça me permet d'avoir de la vision et aussi à tous ceux qui ont tipsé. Au sommaire de cette vidéo, on va avoir, dans une première partie, le choc des titans. Présentation des équipes, rappel des chiffres et historique. En deux, la discipline du combat. Comment la France peut faire pour enrayer la machine irlandaise. En trois, comment contenir les attaques irlandaises. Et ouais, ça va vite en Irlande. En 4, quelles solutions on peut avoir en attaque. En 5, le meilleur pour la fin, c'est les duels qu'on attend. Et ensuite, le débat et la question qui fait mal, c'est le choix du 10. Le choc des titans. Première nation mondiale contre seconde nation mondiale. Ça fait rêver, non? Sur les 5 dernières confrontations depuis 2018, la France l'a emporté 3 fois, en 2020, 2021 et 2022. Quand on les joue l'année dernière, il manque leur homme de fer, j'ai nommé Monsieur Sexton. Quand il n'est pas là, l'équipe est évidemment compétitive, mais elle n'est pas pareille. C'est un peu comme quand tu bats l'Italie et qu'ils n'ont pas Garbizier et Ioane. Bon, ok, celle-là, elle était gratuite, j'arrête. Quand on les bat à Dublin en 2021, c'est une grosse performance de Galtier, mais le stade était vide. Bon, ok, j'arrête. Ce match sera différent. Public hostile, grosse pression de la part des médias qui remettent en cause une victoire bonifiée à Rome, qui réduisent le jeu de l'équipe de France à des coups de pied et de l'occupation. Bref, tout ce qu'il faut pour avoir un beau match de rugby. Merci à Théo Rémy qui me faisait remarquer dans les commentaires que sur les 14 victoires consécutives de la France, il y en a 5 qui sont faites 2 fois contre le Japon, 1 fois contre la Géorgie, et que sur ces 14 victoires, on en a 5 en déplacement, dont 2 au Japon. La France, on n'est pas encore habitué à jouer en terrain hostile. Et surtout, on s'en doute, avec les compétiteurs qui jouent pour l'équipe de France, à mon avis, ils ont envie de se déplacer à Dublin pour montrer aux Irish qui savent jouer au rugby et qui savent gagner en terrain hostile. La discipline du combat. L'Irlande, comme la France, y joue en 1-3-3-1. Dans la dernière vidéo du tournoi destination entre la France et l'Irlande, qui a fait 96 000 vues et je vous en remercie puisque c'est en partie grâce à ça que je me suis dit que j'allais me lancer dans YouTube, j'expliquais en quoi l'Irlande était très prévisible mais extrêmement violente sur tout ce qu'elle produisait. Dans la presse, on a pu lire ou entendre que après le match de l'Italie à Rome, la France n'avait pas été performante dans le combat en termes d'agressivité et d'intensité. Contre l'Irlande, c'est simple, si tu as un manque d'agressivité, tu te fais broyer par la machine. Mais je vais te poser une question. Est-ce que la France, elle t'a déjà déçu sur les 3 dernières années dans le combat ou l'intensité? Non. Bon, alors cette histoire de manque d'intensité de l'équipe de France, pour moi, c'est un faux débat. On s'en fout, les mecs, ils vont répondre présents dans le combat, ça on peut en être sûr. Bon, sauf si Fabien Galtier fait la même erreur qu'à Rome ou à la mi-temps, il leur dit... Moi, je vous ai demandé avant le match, je vous ai demandé, s'il vous plaît, pas de faute d'erreur. S'il leur dit pas de mettre du combat, il n'y a pas de souci. Bon, j'avoue, elle était gratuite, celle-là aussi. Comment contenir les vagues vertes? L'Irlande est une équipe qui multiplie les séquences de jeu. Une de leurs grandes forces, c'est le jeu au sol. C'est une équipe qui arrive en permanence à avoir des libérations rapides au sol. Et alors, calme-toi! Je t'explique, mais accroche-toi, ça va aller vite. Quand tu défends sur un ruck, tu as des structures défensives. La forme de ces structures fait que tu ne consommes plus de joueurs en défense qu'il n'y a d'attaquants disponibles. Si le ballon se déplace et qu'il y a un nouveau ruck ou un point de fixation qui est créé, les défenseurs doivent circuler. Exact, si la libération est lente ou que la défense a eu le temps de circuler, on va avoir une défense qui est à l'équilibre par rapport à l'attaque. Si elle est rapide, il y aura des espaces. Alors, pour contenir les Irlandais, il suffit de ralentir les libérations. Exactement, et c'est ce que toutes les équipes tentent de faire, de ralentir les libérations dans les rucks. Ça laisse le temps à la défense de s'organiser. Le problème, c'est que les Irlandais, ils ont développé une méthode de travail sur les attitudes au contact du porteur de balle et des soutiens offensifs, pour optimiser toutes ces libérations au sol, et on n'a pas encore réussi à trouver comment est-ce qu'ils travaillaient, mais toutes leurs libérations sont plus rapides que celles du circuit international. C'est pour ça qu'ils sont si forts? Mais alors comment on fait? Soit tu arrives à ralentir ces sorties de balles, ou soit ta défense doit être rapide pour pouvoir circuler et derrière venir oppresser ces Irlandais. Si ta défense est organisée et que tu arrives à monter rapidement, le temps que le porteur de balle va avoir pour faire son choix est plus important, ça veut dire que potentiellement il va faire des erreurs. Et qu'on pourra encore les ralentir sur le ruck suivant? Exactement! Et tu gagnes du temps en défense pour ta prochaine séquence. Pour résumer, je pense qu'on devra être efficace sur 2 choses. Premièrement, la capacité à trier les ballons qu'on va venir contester quand le contact est gagné. Ça nous évitera de faire une Italie bis au niveau de la discipline.
Deuxièmement, la capacité à anticiper le fait qu'un contact est perdu, qu'on ne va pas venir mettre les mains dans les rucks ou contre-ruckés, mais qu'on va optimiser sa vitesse de circulation défensive pour se concentrer sur la prochaine montée. Quelle solution en attaque ? Les Irlandais ont une très bonne défense avec un premier rideau défensif qui est très dense mais qui ne vient pas forcément rusher. Contrairement aux Sud-Africains qui eux sont toujours en rush, rusher c'est pas anglais, contrairement aux Sud-Africains qui ont un premier rideau défensif qui vient agresser très fort et qui monte très rapidement, les Irlandais ils sont ultra denses sur ce premier rideau défensif, en revanche ils ne viennent pas oppresser le porteur du ballon immédiatement. Ils ont tendance à attendre et une fois que c'est bien cadré, de venir monter et là ils viennent te closquer à deux. Et ils raffolent de ces fameux blocages hauts quand il y a deux joueurs qui viennent bloquer le porteur du ballon en haut pour récupérer la possession sur une mêlée. Ma théorie est la suivante. Ce rideau défensif, il faut le forcer à circuler pour deux raisons. La première, c'est potentiellement ouvrir des espaces sur ces zones de circulation. Donc autour des rucks, plus les joueurs vont avoir à circuler, plus il va y avoir des moments où ces structures sur ruck vont être désorganisées. Les structures défensives sur ruck ? Exactement, les structures défensives sur ruck. Si tu veux comprendre de quoi je parle, il faut qu'on soit au clair sur les termes qu'on utilise et les repères qu'on se donne. Si on force ce premier rideau à circuler et qu'il a un temps de retard, on ouvrira des espaces dans les couloirs. Et comment on fait ça ? C'est toute la question. Pour faire simple, j'ai envie de te dire, ajoute une passe avant le contact. Pour faire plus complexe, je te dirais par exemple que quand tu es en bord de touche, quand tu vas avoir ton bloc 10 pour mettre une relance de jeu et te générer de la vitesse ou de l'avancée, au lieu de faire la passe directement à ce bloc 10, tu vas décaler d'une passe supplémentaire avec ton bloc 10 ou alors tu vas passer par ton ouvreur pour aller solliciter ce bloc 10. La défense irlandaise n'est pas la plus agressive du marché, donc tu peux éventuellement te permettre de rajouter une passe supplémentaire. Les duels attendus. Ah, c'est le moment qu'on attend tous avec les duels. Pour moi, les ailiers qui vont dominer leur adversaire dans le match, ils vont offrir quand même une sacrée option à leur équipe. Les duels que j'attends, on aura sûrement un James Lowe contre Damien Penaud. Et surtout, ce que j'attends de voir, c'est ce fameux Ethan Dumortier contre Hansen. Pour ma part, j'ai trouvé que Dumortier, il avait bonifié tous les ballons qu'il avait touchés face à l'Italie. Et je suis même frustré qu'il n'ait pas touché plus de ballons que ça. Tu sens qu'il a quelque chose. Dès qu'il touche la balle, il se passe quelque chose. À certains moments, quand j'ai découpé le match, je me suis rendu compte quand même que sur la circulation des joueurs, il avait un petit temps de retard et à mon avis, il est encore en train de prendre ses marques et se chercher. Attention ce joueur-là, quand il va être en forme, Ensuite, pour moi, ça va être le choc de la deuxième ligne qui va être impressionnant entre Bern et Ryan qui vont être face à Willem C et Flamand. Et oui, je pense que Flamand va être titulaire. Ceux qui le disent tendre sur le terrain, je ne comprends pas. À ce niveau-là, il n'y a pas de deuxième ligne qui est tendre ou qui manque d'agressivité. Sinon, tu ne joues pas à ce niveau-là. Ça n'existe plus. Ce deuxième ligne saucisson qui est gentil et qui fera de mal à personne malgré ses 2m10 et 120 kg. On n'est pas dans le monde des bisounours à ce niveau-là. Les mecs, ils sont méchants. Pour jouer à ce niveau-là, il faut avoir un degré d'agressivité qui est extrêmement élevé. Et pour ces détracteurs qui disent qu'il manque de densité, je suis allé voir sur un site qui s'appelle All Rugby où il y a des statistiques, il l'annonce quand même à 116 kg le bonhomme. Ah ouais, 116 kg, ça pique quand même. Bah ouais, 116 kg pour un deuxième ligne, moi ça me choque pas. Le choix du 10. Allez, je lance le petit choix débat de la fin. Galtier, il a tendance à avoir depuis le début de son mandat un 15 titulaire auquel il ne touche pas beaucoup. On voit quand même que la hiérarchie peut être modifiée. Ntamack qui a fait une belle prestation contre l'Italie est en concurrence avec Jalibert qui quand même sur ses 4 dernières entrées nous fait gagner les matchs. A ton avis, est-ce qu'il faut relancer la concurrence en mettant Jalibert titulaire contre l'Irlande pour voir ce qu'il a dans le ventre sur un match à haute intensité dans un environnement hostile? Si tu l'as pas déjà fait, tu peux liker cette vidéo, t'abonner, mettre la petite cloche et ton commentaire, c'est important pour l'algorithme parce que j'ai besoin de développer la chaîne, j'en ai marre de manger des patates à la maison. Allez topette!